Ouais, je t'aime. Oui. Regarde, Roya, la souplesse qu'il a dans la mâchoire. L'attaque des titans, Roya. T'aime. T'as vu ou pas? C'est un délire. T'aime. T'aime. Oh là, c'est trop. Crocodile. Roya, lui, il est en train de manger. Tu dis, tu passes, je tape un croc. Ne lui donne jamais ton sandwich. Ah ouais, c'est là. Mort. Les gars, je pleure de rire parce qu'on a commencé à regarder la vidéo. Oh là, que j'ai commencé à pleurer de rire. J'ai oublié d'enregistrer. Roya, est-ce que tu vas bien? Bah oui, ça va. Ouais. Mais attends, mais t'avais vraiment pas tout enregistré? Bah là, les deux premières séquences, j'ai oublié d'enregistrer. Ah Roya, oui, mais notre intro. Ah, l'intro, Roya aussi, j'ai pas enregistré la vérité. Ouais, mais quel fils de. Mais vas-y, moi, je me tire, moi. Non, mais sérieux. Les gars, aujourd'hui, on va regarder une vidéo des pires recettes qu'on peut trouver sur internet. On est pas là pour critiquer la nourriture, mais pour certaines personnes qui se pensent, qui se croient des cuisiniers. Voilà, que c'est un délire. Voilà. Attends, Roya de Bounty. Non, mais il y a vraiment un truc qui va pas, les gars. Voilà, regarde. Voilà, c'est un bracous Bounty. Mais voilà, non, mais je comprends. Mais voilà, t'es il met de la crème chantilly. Non, ça me dégoûte. Tu sais, dans la vidéo, il dit je mets de la crème fouettée. Quelle crème fouettée? C'est de la crème chantilly. Ouais, mais ça, c'est la crème esquintée, ça, Roya. Mais regarde ce qu'il nous a mis. Oh non. La deuxième, celle-là. Alors, NS, rappelle-nous, c'est quoi ça, s'il te plaît, parce que voilà. Une omelette cuite dans du Coca-Cola avec des morceaux d'Oreo. Roya. Les gars. C'est de la haute gastronomie, Roya. Ça, c'est. Roya, ça te donne pas envie, ça? En vérité, ça, tout ça. Mais voilà, Roya, j'ai mal les bactéries qu'il y a dans la poêle. C'est trop. C'est ça qui me fait peur, en fait. Ah, mais t'es même. Ah. La moitié. Attends, la moitié à part terre. Et le pire, Roya, c'est que tu sais, il met sa main comme ça. C'est Zerma, comme le mec dans Dubaï quand il met du sel. C'est Zerma en mode raffiné et tout, tu vois. Voilà, c'est ça. Mais voilà, autant qu'il mette sa bague aussi dedans, Roya. Voilà, mais tout et n'importe quoi. Mais crache dedans. Je serais pas surpris qu'il nous fasse un. Ça, tu connais ça ou pas? C'est quoi ça, Roy, à ton avis? Ça, c'est des glaces. Ça. Voilà, regarde. Petite glace à la vanille. Voilà. Ah non, voilà que non. Voilà que non. Ah non. Tu manges pas, Zama. T'aurais pas mangé, Zama. T'aurais pas mangé. Voilà que je remange pas ça. Okay. Ça, mais tu manges ça? Mais ça, jamais de là. Le diabète est en train d'écrire. Ils pensent que c'est des cuisiniers en mettant du Kit Kat, des M&M's, du Nutella dans une crêpe. Mais voilà, personne va manger ça. Et ce fils de timbre, il nous a mis des gants de chirurgien pour cuisiner, ce fils de timbre. Zama, c'était un truc de fou qu'il a fait. Chocolat blanc, Nutella, M&M's, Kit Kat. Voilà que c'est trop. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais mets-nous la table en bois aussi dedans. Voilà. Là, c'est quoi ça, frère? Ah, ça, regarde. Attends, mais c'est. Oh non. Roya, à ton avis, il met le lait avant ou après les insectes? Mais Roya, qu'est-ce que je m'en bats les couilles, moi? Mais attends, mais Roya, regarde la position. Ah, bismillah. Mais pourquoi il est. Attends, alors, écoutez, je fais une aparté, Roya. Attends, je fais une aparté. Vous voyez, les gars, à force de manger n'importe quoi, regardez à quoi vous ressemblez. Lui, là, il sait pas encore. Pour l'instant, il est encore dans son univers de son estomac, il a pris dessus son cerveau. Regarde, Roya, à quoi il ressemble maintenant? Non, pardon. Je l'accorde. Il a dit bien, désolé, en plus, ça, il a pardon. Dit bien. Non, pardon, désolé. Oh la vache. Ah ouais, ça regarde. Pizza dans un cornet, voilà, boulette de viande, spaghetti, Roya. Mais ça dans une assiette directe, c'est quoi ça? C'est la bolognaise, ça? Attends, Roya, attends. Mais mets ça dans un bol, dans une assiette? Non, pourquoi vous mettre ça dans une pizza? Parce que Roya, la pizza de la mama, Roya. Non, ça c'est la pizza de la caca, ça c'est la pizza de la caca. Mais ça va, c'est une recette revisitée. T'adhères? Ça, c'est la moins pire en vérité, ça va. Tu peux manger. Non, moi j'adhère pas. Ah, non. Oui. D'accord, donc attends. Par rapport aux insectes ou les amants. Non, on explique la chose. Donc là, il met ça dans un cône. Donc ça, normalement, si tu mets ça dans un cône, c'est pour pouvoir manger ça en te baladant. D'accord. Pour pouvoir manger ça en te baladant. Généralement. Oui, c'est vrai. Comment tu vas manger ça en te baladant, Roya? Tu fais comment là? Avec le gros fil et tout qui pend sur la bouche et c'est tout. C'est quoi? Mais non. Moi c'est Valk là. Ah, voilà que ça me dégue. Ça dégoûte, Théma. Mais ouais, je me dis, va servir ça comment? Ouais, je sais pas. Mais après, ça. Ah, comme ça. Ça peut se faire, ça peut se faire. Oh, regarde, purée avec des Pringles, regarde. Tac. Un peu de beurre dans les Pringles. Mais voilà que. Mais attends, c'est ce qu'ils donnent dans les. Mais la purée, elle coûte 8 balles, Roya. Le Pringles, ça coûte cher. Non, mais Pringles, ça coûte cher. Mais franchement, on dirait ce qu'ils servent dans les films. Tu sais, quand les gens ils sont en prison, les films. Ouais, c'est vrai. Eh, tiens, Michael, profite de ton dernier dîner, enfoiré. Ça, peut-être un petit. Ça doit être pas mal, mais la texture, elle doit être horrible. C'est vraiment un truc de feignant, wesh. À quel moment tu vas dire, ouais, je vais réhydrater des chips qui ont été déshydratés pour faire de la purée? Ouais, c'est abusé. Voilà, il leur redonne une seconde vie, quoi. Ah, regarde, pas mal, non. Ça. Ah non, mais ah non, mais nique ta. Non, Zama, tu manges pas ça, donuts au poulet. Mais Hakarabik, je mange pas ça, mais Roya, donuts au poulet. Mais même Homer Simpson, il ne mange pas ça, Roya. Oupilès. Mais t'es sérieux là? Tu vois, c'est quelle sauce? C'est une sauce barbecue andalouse? C'est une sauce. Sucré salé. Non, mais là, ils ont poussé le concept de sucré salé trop loin, tu vois. En fait, les gens, à force d'innover, j'ai l'impression qu'ils font n'importe quoi. Et en plus, c'est toujours des mecs qui ont des gants de chirurgien qui font. Ouais, voilà. C'est vrai. Je jure. On va porter plainte, on va faire un trait Twitter, là, contre les mecs avec des gants de chirurgien. Les mecs,
coupe et tout. Oh, ça, ça par contre, c'est que du. Hein. Ouais, mais Roya, ouais, elle est. Oh là là. C'est que du sucré, ça. Oh là là, oh là là. Non, oh ça, ça, là je là mange, là. Ça, je mange. Ouais, mais Roya, non, mais d'accord, tu manges. Mais tu commences à le manger chez toi, mais tu le finis à l'hôpital, on est d'accord. Là, c'est trop. Ouais, c'est trop. Tu te réveilles, Roya, d'accord, mais il s'est passé quoi? Bah, t'as mangé une glace. Là, oui, c'est là, trop, là, là, frère. Non, mais j'ai l'impression que la génération d'aujourd'hui, le raffinement, ils en ont rien à branler. Rien à foutre. C'est pour Instagram, du sucre. Ça, mon frère. Mais y a, oui, Instagram. C'est vrai, mais il y en a, vraiment, ils mangent ça, Roya. Il y a des gens dans les commentaires, ils vont dire, ouah, je tape ça de fou. Tu vois? Ah, ça, c'est sûr. C'est trop. Ça, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Chauffe la pizza, chauffe la pizza. Teste la fraise déjà. Chauffe, chauffe. Oh, vas-y. Wallah que je suis pas bien. Ah, t'aimes pas la fraise? Avec les trous là, la fraise. Oh, t'es tropophobe. Ah, tu sais, là, wallah que je suis pas bien. Là, ok, ok, vas-y, on passe, on passe. C'est vrai que c'est bizarre. Tu me dis quand c'est pas. Tu vois, c'est bon, regarde. C'est quoi ça? Brownie, pépite de chocolat, glace vanille. M&M's, poil, brownie, encore M&M's, sauce chocolat. Ok, le diabète, il arrive. Oh non, là t'es pas prêt. Attends, regarde tout ça là, déjà moi ça. Là je kiffe, là ça je kiffe. Ah bah. Mais regarde, il va faire un smoothie avec ça. Non, mais c'est pas possible. Mais oui, voilà. Mais ça, c'est un truc pour faire les routes, ça. C'est pas un truc pour cuisiner. T'es mal, t'es mal. Écoute ce qu'il va dire. Bismillah. Bismillah. Mais regarde. mais regarde, c'est trop. Mais toi, t'arrives en moonwalk en enfer, regarde. Regarde, il boit un jus de diabète, c'est du jamais vu. Je suis sûr, dans des commentaires, les gens vont dire, ouah, ça, je tape ça de fou. Pour ma part, moi, Roya NS, encore une fois, tu tapes ça. Je tape mieux que ce qu'on a vu pour le moment. Entre une omelette Coca-Cola Oreo et ça, oui, c'est sûr que je vais goûter ça. Ne serait-ce qu'au niveau de la propreté. Là, on est d'accord, Roya. Mais là, Roya, le sucre, a du sucre qui coule dans les veines après. Ouais, mais il a fini le truc. Wesh. Ouais. Non, là, je peux pas. Oh. Non, là, c'est trop. C'est incroyable. Mais ta main, la glace, elle est plus grande que sa tête, frère. Ça, oui, par contre. Mais c'est par contre, elle a payé combien la glace, Roya? Parce que là, il est en déficit, le mec. C'est sûr, Roya, par contre. Non, mais Roya, moi, je parle à son business, là. Tu sais pourquoi j'aime pas ce genre de vidéo, Roya? Parce que j'ai l'impression qu'il y a trop de gaspillage. En fait, c'est comme si tu respectais pas les gens qui sont dans le besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, je suis d'accord. Il y a des gens, c'est trop, frère. Ils aimeraient. Bon, ils aimeraient pas manger une glace, parce qu'ils ont même pas d'eau, Roya. Mais je trouve, en fait, les gens qui en ont trop, voilà, qui font trop de gaspillage, trop, ils vivent trop pour les caméras. Et tu sais ce qu'on dit, Roya? Tu sais ce qu'on dit? À force de vivre pour les caméras, on meurt. Brûlé par les projecteurs. Oh. Ouais, je l'ai inventé tout à l'heure, celle-là, quand j'étais en train de faire caca. T'aimes bien ou pas? Sérieux? Ouais, je l'ai inventé, ouais. Elle est bien, elle est belle cette phrase, non? Non, franchement, elle est magnifique. Mais t'es marrant, oh là, que c'est trop. Par contre, j'ai encore mis des gants de chirurgien. Bah voilà, ils ont tous des gants. Tous ces imposteurs. Oh, ah, non. Voilà. T'es marrant, il va appuyer, il y a le Hachek Khara qui va sortir. Ah. Oh là, que c'est trop. T'es marrant, Kinder Surprise. Non, mais wesh, non, mais wesh. Ce mec-là, il est haut. T'es marrant, il y a encore le jouet du Kinder Surprise. Non, il a abusé. Regarde, ce mec-là, il est obligé de prendre la part et de l'écraser pour montrer. On a compris qu'il y avait du chocolat. Tu croyais quoi? Tu croyais qu'il y avait de l'or dedans, il y a de la confiture? Voilà, c'est vrai. Ça m'énerve, ça, voilà. Avec tes gants là. Avec tes gants là. Tes gants là. T'es même pas médecin. Voilà. Même les mécaniciens ils mettent pas de gants, toi tu mets des gants clochard, va. Oh, pizza frite. Mais bah il a plus encore, c'est le même. Ah, regarde. Ça cheese. Par contre, je goûte. Non, pizza frite. Je goûte. Dans les commentaires, dites-moi la vérité, les frites. Oh, non, voilà, ça on non, tape, mais... ça on tape. Non, mais je pizza pense que 80% à taper. Non, mais pizza frite, non. Mais regarde, il y a plus de fromage que qu'autre chose. On voit rien. Ouais, c'est tout blanc. En fait, je trouve que la texture ça va pas. La couleur, regarde. Je suis désolé, mais voilà, ça donne pas envie, regarde. Et la part, elle est immense. T'es mal sa main, t'es mal la taille de la part comparée à sa main. Wesh, mais vas-y, lui, il saoule. Avec du chocolat partout. Non, mais wesh. Kinder Bueno, c'est quoi ça? Attends. Crème vanille, ok. Bueno. Ah, ça c'est intéressant. Non, mais ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, non, la vérité. Non, c'est horrible ça. Ça c'est intéressant. Pour moi, c'est horrible. Pour l'instant, je tape. Ah ouais, je tape. Mais non. Mais Roya, c'est ça le problème des meufs et des gars qui font ça. Ils prennent des produits déjà faits, fabriqués, transformés de fou. Ils mettent des Twix, des Kinder Bueno et tu dis bon appétit. Ah, c'est moi qui l'ai trop fin là. Là, mais ça. Voilà, j'ai trop envie d'être à ça. Voilà, je touche pas ça, même si je jeûne pendant 3 jours, Roya. Voilà, que je touche pas à ça. Roya, donne-moi. Non, mais... attends, donne-moi attends, un verre de lait, une date. Voilà, que c'est 1000 fois mieux que ça. Voilà. Parce que NS, c'est quelqu'un. Les gars, NS, il est pas un peu comme nous. Il fait partie des gens. Quand nous, on se lève, on a envie de manger un bol de Kellogg's. NS, il va manger un bol de muesli. Moi, je me lève. Je vais d'abord faire caca parce que mon transit intestinal est au top. Mashallah. Au point où on en est, on regarde des trucs de bouffe. Qui ressemble à du caca des fois. Oh, c'est... attends, mais c'est un truc revisité ça. C'est une brique, Zama. Mais rempli de Nutella. Le vert, c'est quoi le vert? Je pense que c'est de la pistache. Je suis pas sûr. Hein. Mais regarde, je suis désolé. Visuel, ça n'a aucun. On dirait hashtag, c'est de la diarrhée. Je suis désolé. Mais voilà, que ça n'a aucun sens. Moi, je prends. Ou ouvre-le comme ça, au pire. Pas avec. À quel moment on mange ça avec une fourchette et un couteau? N'importe quoi. Wesh, tu fais quoi ici? Tu n'as pas dit que t'as préparé un truc? Attends, tu veux que je t'énique là ou? Bah non, mais. Oh, Zama, ça c'est dégueulasse ça, regarde. Et m'a encore un smoothie, 1 milliard de glaçons, poudre de chocolat, du lait. C'est quoi ça? Sur bizarre. Ah ouais. Oh non. Ça tu tapes ça? Non. Ah merci. Non, jamais de la vie.
Non, jamais. Tema, bismillah en plus, mais arrêtez. Wesh, ben voilà. On dirait Zama, lui... t'as fait un truc de fou, une bonne action. Y'a pas de bismillah là. C'est quoi ça? Wesh, on dirait manger un bout de cerveau, Tema. Ah, non, ça me dégoûte. Oui, il est content. Oh non, vas-y, pas lui. Oh non, vas-y. Qui te cache? Tema. Roya, lui, dans sa tête, il croit qu'il a tué le game. Hein. Lui, Roya, quand il voit les commentaires et tout, il doit se dire, ouais, à chaque fois que je vais en mettre un peu plus. Mais entre nous, je suis sûr que ce mec-là, il fait des millions de vues. Ah, mais c'est sûr, parce que les gens, ils aiment la merde. En tout cas, visuellement. Tu vois. Après, je sais pas s'ils si donc, ils incitent ce monsieur c'est horrible, là, c'est horrible. À en faire toujours voilà. Plus. Là, exactement. Grave. Exactement. Wesh, attends, wesh. Attends, il est petit ou ce truc est gros? C'est des toilettes, ça, qui va manger. T'es mal la taille de la tasse. Wesh. C'est peut-être en Turquie, ça, non? Oh, oh mais vas-y. Wesh. Le retour du smoothie de l'enfer. Moi, j'aime bien ça. Que le cancer. Ça, franchement, là, ça me donne la crème chantilly. T'as entendu la texture ou pas? Comment c'est lourd, c'est épais. Mais non, mais arrête. Mais bismillah, oui, là, mais oui. Non. Là, on t'autorise, excuse-moi. Mais ouais, là, je t'autorise, là, le bismillah, là, il est bien placé, le bismillah. Tu vois comment il boit? Wesh, il a tapé le truc normal. Oh non, mais vas-y, les crêpes, là, c'est bon. Non, ça, crème, ça. Chocolat, banane, ça y est, c'est stop. Je dis non. What? Oh non, il a fait une pizza, incroyable. Wouah, sauce tomate. Ah, déjà la sauce tomate comme ça. Ah. Pepperoni. Voilà. Non, je suis sûr qu'il y en a plein qui tapent ça, incroyable, parce que c'est pas ouf par rapport à... Wouah, incroyable. Non, ça, tu finis le sandwich au cimetière. Wouah, incroyable. Regarde ce qu'il y a. Deux steaks. Poulet pané ou la panée frite. Crevettes. Ouais. Déjà, à quel moment tu mélanges deux viandes plus poisson? Oh la vache. Plus le fromage, hein. Oh mais la si vache. Mais s'il fait ça, c'est qu'il y a des gens. Il y a des gens qui mangent ça, incroyable. Ça doit être une spécialité du resto. Tu manges ça, tu tapes? Non, voilà que je tape pas. Et les gars, faut jamais mélanger des viandes et surtout des produits laitiers avec le poisson. Oh là. Oh, ça c'est écœurant ça. Sauce cheese. Tu tapes ça, non? Non, voilà que je tape pas. Voilà que je tape pas. Mais attends. Ouais, non. Ça, tu tapes pas ça? Okay. Non, voilà, sauce cheese, ah, c'est trop. Oh non, mais non. Mais attends, il a mis quoi, là? Ouais, je sais pas. Il y a des onion rings. C'est des frites. Sauce cheesy, sauce guacamole, sauce blanche. Vas-y, ça y est. Je pense qu'il y a de la kifta. Non, mais il arrive même pas à le fermer tellement il est big. Non, c'est trop. Oh, le retour. Oh, le retour. Crêpe Oreo, Roya. Oreo. Tu manges une part, Roya, t'as la carte fidélité à vie à l'hôpital. Wesh, quoi, wesh, quoi wesh. Wesh. Attends, quoi? Attends, mais qui va finir? Qui a commandé ce plateau? Et qui l'a préparé? Tema, Roya? Hamburger? Non, mais attends, il faut analyser le truc là. C'est quoi ça? Là, on a affaire à une hérésie là. Tema, ils ont préparé un smoothie chocolat, gaufre, smoothie chocolat, hamburger. Mais c'est bientôt la fin du monde. Quand je vois ce genre de repas, c'est. On a un pied dedans. La glace. Wow. Non. Vas-y, dis-moi maintenant que c'est bon ça. Vas-y, dis-moi que c'est bon ça maintenant. Là, c'est dégueulasse. Mais Roya, tu me dis ça comme si j'avais dit tous les trucs sans bon. Des frites. Tu m'as bloqué sur cette image. Je vois même pas. Ah, Tema, qui mais m'a mangé ça? Voilà, c'est grave. Eh, regarde les cardiologues, comment ils doivent se faire un chiffre d'affaires de fou. Alors là, oui. Ils les envoient chez Speedy, là, ils vont pas au cardiologue. Non. Non, c'est pas du miel. Voilà, frère, deux gaufres, chicken, salami, lessel, avec sauce fromage. Ouais. Mais c'est quoi ça? Ils vont manger là, ça va, là? Oui, mais regarde avec quoi elle va le boire, regarde. Ah, ouais, non. Non, là, que c'est trop. Tema la glace dans le gros bol et tout. Non, c'est quoi cette sauce? Cette sauce, ça fait peur quand même. C'est bizarre, regarde. Ouais, même la texture et tout ça coince bizarrement. Hein. Ça me dégoûte, voilà que ça me dégoûte. Voilà que ça me dégoûte. T'es mal, la met sur le côté, t'es mal. Oh, je peux pas regarder. C'est encore pire. Ah oh non, le retour de la crêpe. Crêpe Kinder Bueno. Ah, mais lui, c'est un bâtard lui. À chaque fois, il a plus de dégoût. Tu sais, on dirait un bouton avec du pu qui sort et tout. Wesh, je suis là quoi lui? What? Wesh, Boris Becker. Attends, mais il avait quoi sur le sandwich là? C'est du piment? C'est du piment? Ouais, peut-être paprika non? Ou un truc indien? C'est pas que c'est dégueulasse, c'est juste c'est écœurant. Tu peux pas finir ça, quoi. C'est trop. Mais tu viens surtout pas bien habillé. En fait, je pense ce genre de restaurant, si tu finis pas, tu payes un supplément, tu sais, à la fin. C'est ce genre de concept, sûr. Tu sais. C'est sûr. Oh, vas-y, c'est bon, on a compris, toi, KitKat et tout. C'est avec des petites boules là. Eh, le pire, c'est que tu sais, il te met à une musique et tout pour t'ambiancer alors que c'est dégueulasse. Il devrait mettre une musique de film d'horreur, voilà. Dégueulasse, oula, ça. Ça va mieux. Wesh. Attends, mais c'est quoi, Roya, ça? Et y a rien de naturel. Que des colorants éclatés de fou. Comme elle. Voilà, comme elle. À l'image de la consommatrice. Voilà. Je sais même pas c'est quoi, Roya. Wesh, c'est quoi? Y a limite une connotation sexuelle. Hein. Ouais, c'est voilà. Pour ça que ça me. C'est bizarre, Roya. Non. Allez. Mais non, Roya. C'est du fromage, non, de base, non? Je sais pas, c'est du fromage, non? C'est du fromage. Cône. Classique New York. Non, c'est pas bon. Non. Ça, c'est un classique à New York. Non. Je connais des New Yorkais, je partais à New York. À quel moment ça, c'est un classique, ça? C'est pas un classique,
regarde ce qu'elle a mangé au McDonald's hier. T'es mal au gouffre, hein. Voilà. Là, et ben, t'es mal écrou. T'es mal la bouche comme elle ouvre. T'es mal, on dirait l'attaque des titans, Roya. T'es mal la tête. Oh, wow, t'es mal ce qu'elle mange. Chicken Big Mac. Bismillah. 4 bites quadruple pound with cheese. Roya, en 4 crocs, elle te mange un cheese. En 4 crocs. T'es mal. Cheeseburger, 3 crocs. Wesh. Non, c'est écrit 3 bites. Non. 3 bits junior. Attends, quoi? Oui, attends. Oui, mais. Wesh. Attends. Ça veut dire 3 crocs. Tu nous regardes. Mais non, mais ça veut dire 3 crocs. Ah, d'accord. Bits, okay, okay. C'est crocs en anglais. 3 crocs, Roya. Ah, mais ouais. Elle mange tout ça, frère. T'es mal le chicken. En 3, 4, en 4 crocs. Les nuggets, un croc. Bah oui, un croc. Ah oui, la base, hein. Non, c'est pas là, possible, wesh. Poutine, non, pas... Apple Pie, McFlurry. C'est trop. Non. T'es mal, Halloufa, c'est trop. Ah, bah oui. Non. T'es mal, elle a mis l'eau, Roya. Pour l'équilibre du poids, ben. L'eau pour garder la ligne. Ah. C'est de la gueule ou quoi, elle? C'est trop. Où est-ce qu'elle met ça? Wesh, t'es mal. Oui. Regarde, Roya. La souplesse qu'elle a dans la mâchoire. L'attaque des titans, Roya. T'es mal. T'as vu ou pas? C'est un délire. T'es mal. T'es mal. Oh là que c'est trop. Crocodile. Croyez, lui, il est en train de manger. Tu dis, tu passes, je tape un croc. Ne lui donne jamais ton sandwich. Ah ouais, ah ouais, c'est là. Mort. Attends, mais c'est un crocodile. Oh là que c'est trop. Oh, pas tout bon, en plus, avec sa tête de geek et tout, genre. Oh non. Wesh, ah ouf. Ah ouf, gangsters. Croyez, devine ce qu'il mange, s'il te plaît. C'est du. Non, de la margarine. C'est du beurre. Allez, c'est bon. La margarine. Le beurre, la margarine. C'est du beurre, fils de chien, va. Avec du Nutella. Hazarne. Ah, c'est Hazarne. C'est horrible. C'est horrible. Mais Roya, mais le taux de cholestérol, la graisse, comment c'est possible? Comment c'est possible de faire ça, Roya? Mais il est devenu fou, Hazard. Dégueulasse, ça me dégoûte. Ah. Mais wesh, il a tout mangé en plus. Attends, mais il a mis quoi dans l'oignon? C'est de la crème chantilly? Mais non, mais j'étais pas au courant, moi. Mais wesh, oignon crème, il va non, tout allez, manger, c'est bon, là c'est bon. Attends, c'est pas fini, Roya. Carotte. Wesh, je pourrais manger ça. Ça va pour l'équilibre, lui aussi, c'est pour l'équilibre. Ok, la gaufre, c'est quoi? Marshmallow, c'est, ok. C'est une blague. Normalement, après, il y a ananas. Ouah, avec la peau. Non, wesh. Mais attends, mais c'est un sauvage, lui. Non, mais qu'est-ce qu'il chie, en fait? C'est quoi ça? Ah, pancake, ok. Après, normalement, il se brosse les dents. Roya. Ah oui, c'est important l'hygiène buccale, il a raison. Oui, c'est important, mais quand il va aux toilettes. Mais Roya, il a mangé la brosse à dents là? Ah non. Avec ta mère, ça y est, voilà. T'es mal encore, attaque et c'est le retour. T'es mal, frère, t'es mal à la taille de la boule. Il gobe ça normal. C'est dangereux de faire ça. Oh, Ferrero Rocher. Non, mais attends, c'est quoi ça? C'est la moins pire des présentations. En vérité, ça passe. Par contre, il va encore appuyer et je vais lui niquer sa mère. Voilà. Non, mais c'est trop, là que c'est trop. Voilà, c'est ça trop. Me dégoûte, hein. Ouf. Wesh. Ouf. Ouf. Mais quoi, tu manges quoi? Il met la moitié sur la table. À côté, il met une pizza. C'est quoi le rapport? Pizza salée. À côté, il met un truc à M&M's Kit Kat. Oh là, ça me dégoûte. Voilà, tout pour Instagram. C'est grave. Regarde ses avant-bras. Vous croyez vraiment que le mec qui prépare ça, il mange ça? Pour avoir des avant-bras comme ça? Jamais. Jamais de la vie, frère. Il vous arnaque, jamais. Oh là. Il appuie. Voilà, c'est un masseur Xel, Ada ou les chenots. Bon, alhamdoulilah, on a fini. Ah ouais, c'était la fin, Roya. Ça y est. Ah ouais, là, mais... c'était des combos énervés, on est d'accord, Roya. Non, c'est des combos énervés. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que, t'as vu, j'avais une petite fin avant la vidéo. Et alhamdoulilah, là, ça y est. Ah, mais c'est une vidéo coupe fin. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Prince en description et la mienne par la même occasion. Laissez un petit like si vous avez kiffé. Et on se dit à la prochaine. Salut.